Colonel, le tien, vivant. Je vous transmets les coordonnées. Bien, caporal, j'envoie une patrouille. Revenez vers moi plus tard. Terminé. Hé, hey, caporal, ça roule? Hé, hey, tu veux un truc? Je l'ai. Hé, hey, t'as le droit, c'est dans le deuxième amendement, c'est pas vrai? Hé, hey, caporal, fais-moi plaisir et évite les problèmes. Caporal. Bonjour, sergent. Très bien, caporal. À bientôt. Sarah? Oui, pousse-moi ça sur le comptoir. Ok. Oh, excuse-moi. C'est... Toute cette situation est vraiment très frustrante pour moi. Oui, bien sûr. Il me faut un autre formulaire de réquisition. Non, tu sais quoi? Je vais pas te le donner, celui-là. Hein? Pourquoi? Parce que je vais t'accompagner cette fois. Allons-y.
trop, soldat. On va voir si tu tiens le rythme. Tu rigoles? Ça remonte à quand, la dernière fois que t'es sorti? Dans le No Man's Land, je veux dire. Eh, j'ai fait mon lot de missions de ravitaillement. Comme tout le monde. Mais j'avoue que ça date. T'as une bécane, au moins? Oui, mais... je pense que je vais monter avec toi pour cette fois. Comme ça, on risquera pas d'être séparés. Chef, oui, chef. Arrête un peu avec... Eh, tu... T'es déjà entré dans l'arche? Quoi? Les grottes? Ouais. Le colonel m'a fait faire le tour du proprio à mon arrivée. Allez, tu dois bien reconnaître qu'il a été prévoyant. Toutes ses réserves, ses préparatifs, ses objets sauvegardés... Ouais, j'avoue. Cette île est une putain de forteresse. Y a rien qui pourra rentrer sans sortir l'artillerie lourde. Exactement. Là. C'est ça. Je passe peu de temps ici. Généralement, je dors sur un lit de camp au labo. Qu'est-ce qu'on a là? Ça fera bien l'affaire, ça. Matt me l'a offert quand je me suis enrôlée. Matt? Le colonel. Arrête ton cirque, Deacon, c'est juste un flingue. Prenons par là. Je voudrais te montrer quelque chose. Je te suis. À mon arrivée, la milice avait abattu quasiment tous les arbres de l'île. J'ai demandé à Matt, au colonel, d'épargner celui-là. Ah bon? Pourquoi t'as fait ça? Tu te souviens du week-end où on est venu ici? À Crater Lake? Après notre mariage? Oui, je me souviens. Je me souviens de m'être demandé combien de temps il avait fallu pour que la lave refroidisse, que le sol se forme et que ces arbres poussent après l'éruption du mont Mazama. Quand tout sera fini, quand on quittera cette putain d'île, je veux qu'il reste au moins un arbre. Écoute, ces types en ont rien à battre, tout ça. Je l'ai traversé, moi, leur zone morte. Le colonel se concentre sur un objectif, gagner la guerre. Et plus vite j'aurai terminé, plus vite il arrêtera de tout réduire en cendres. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, rien, c'est juste que... Non, oublie. Tiens-toi... Tiens-toi à moi. Je me souviens. Il y a une école à l'est d'ici, pas loin de l'autoroute. Tu vois de laquelle je parle? Ouais, oui. Passons par le pont sud, ça sera plus rapide. T'as raison. Hey, je voulais te demander, tous ces trucs, la levure, le silicate... À quoi ça me sert? L'arme sur laquelle je travaille est un virucide. Si je parviens à isoler le virus provoquant la mutation cellulaire, je pourrais le tuer. Ok. Je peux te poser une question? Après cette nuit-là, à Farwell, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'en es sorti? On a bien failli y rester. Quand les fédéraux sont partis, les survivants ont commencé à monter des barrages routiers et à abattre les gens à vue. On a fini par rejoindre le camp de réfugiés où on pensait te retrouver, mais comme je t'ai dit, il était complètement envahi. On a essayé d'autres camps, mais c'était pareil. Aucun survivant. Ils avaient tous été submergés. Moins d'une semaine, toute la vallée était à feu et à sang. Les gens s'entretuaient. Pour des miettes. Sans vraie raison. Si Boozer et moi, on n'était pas restés ensemble, je pense qu'on s'en serait pas sortis. Attends, Boozer est en vie? Où il est? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ouais, il est en vie. Mais il est dans un camp au nord. Il peut plus conduire. Il a perdu un bras. Et il a survécu. Je suis vraiment heureuse qu'il ait survécu.
Désolé, j'aurais dû te demander avant. C'est pas grave. Ok, à moi! Écoute, ça va te sembler débile, mais... Ce soir-là, à Farewell, à Bac des Mongrels, tu l'as toujours? Deacon, je suis désolé. Ça fait partie de la politique du colonel, il confisque tous les bijoux à l'arrivée au camp. Ils font de l'or et l'argent pour le projet de... Weaver ou un truc du genre. J'ai oublié les détails. Je suis vraiment désolé. Oh, non, non, je pensais à voix haute. C'est pas important, t'inquiète. Voilà, je crois qu'on y est. T'es déjà venu ici? Une fois, avant tout ça. Aux journées portes ouvertes, ils m'ont invité pour... C'est dingue. Quoi? Rien, c'est juste... Un séminaire sur comment survivre à l'apocalypse aurait été plus utile. Allons-y.